Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux prédictions du mois de janvier 2022. Dans la vidéo précédente, je vous avais demandé si vous étiez partant pour ce type de format. À l'unanimité, vous m'avez répondu oui, et eh bien c'est chose faite. Et si ce type de vidéo vous plaît, et eh bien sachez que tous les mois, nous ferons les énergies du mois en cours, plus bien sûr les énergies de début de semaine et de fin de semaine. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, qu'en ce moment, je travaille sur mon passé, sur mes traces, sur mes origines. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de trouver mon identité, même si ça fait déjà plusieurs mois que la chaîne prend la tournure que j'aime. Dans ma façon de pratiquer les choses, à force de toujours vouloir être professionnel, eh bien, on finit par se perdre. Et ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, et j'ai mon petit cerveau qui commence un petit peu à saturer. Donc j'ai envie de m'enlever toutes ces barrières. J'ai envie de m'enlever tous ces codes, toutes ces choses qui font qu'il faut être professionnel, il faut être ceci, il faut être cela. Non, j'ai envie de me retrouver moi et ma façon de pratiquer les choses également. Donc pour cela, je vais utiliser l'ensemble de mes jeux et je vais vraiment travailler l'aspect prédiction parce que c'est moi ce qui me plaît avant tout dans la cartomancie. C'était cette faculté à prédire l'avenir. On fera bien sûr aussi une partie guidance, on fera aussi un petit peu de sentimental également. Je vais utiliser le carré fantabuleux et le jorac pour toute la partie prédictif. On va faire la partie guidance avec les photos karmiques et les sigils mystiques. On fera une partie guidance sentimentale avec l'oracle du cœur à cœur et on finira avec le rond de cristal pour quelques petites prédictions. Allez, c'est parti. Je vous avertis les amis, j'ai pas envie de faire de montage, j'ai envie que cette vidéo soit naturelle. Donc tant pis si je bafouille, si tant pis, ça sera comme ça sera, je m'en fiche. Je vais juste couper les moments qui seront un petit peu longs quand je brasse les cartes, les choses qui sont un petit peu longues, type les blancs, les choses comme ça. Mais sinon dans l'ensemble, la vidéo sera sans filtre parce que j'en ai marre. 2022 va être l'année du naturel. Allez, c'est parti pour le mois de janvier 2022. Je vais pas tourner les cartes dans votre sens, donc vous m'excuserez. Je fais comme si je travaillais pour moi et comme si vous étiez en face de moi. Donc voilà. Allez, janvier 2022. Janvier 2022. Alors, je vous avertis les amis, on va voir ce qui va sortir. Peut-être qu'il y aura des prédictions d'ordre mondial, peut-être que ce seront des énergies générales, peut-être que ça va parler à certaines personnes ou pas. Moi, je vous livre les choses telles qu'elles viennent. Je vais aussi également employer des codes si jamais il y avait des choses qui sortaient dans les cartes. Parce que, comme vous le savez, hein, j'ai pas envie d'être censuré, donc on va vraiment essayer de parler en codage. Allez, c'est parti. Nous avons, bah, ça commence bien, nous avons la carte de l'illusion. Alors ça m'embête. Ça m'embête que cette carte sorte maintenant, dès le début du tirage, parce que la carte de l'illusion représente vraiment tout ce qui est mensonger, tout ce qui est illusoire, et par conséquent, les messages qui vont sortir derrière cette carte pourraient être le reflet de la réalité ou potentiellement un mirage. Donc, ça m'embête un petit peu. Ce que je vais faire, je vais la recouvrir. Ici, j'ai la sensation qu'on pourrait jouer avec nos sentiments, avec nos émotions. J'ai le sentiment ici, on a la carte du rituel, donc ça pourrait nous parler d'une personne de pouvoir, quelque chose qui est en train d'être invoqué, une force qui est en train d'être invoquée. Ça pourrait nous parler d'une force potentiellement très sombre, qui est en train d'être invoquée, qui est en train d'être mise en place, une sorte de pouvoir. Alors un pouvoir physique, un pouvoir mystique, un pouvoir spirituel, mais il y a ici une idée de pouvoir, quelque chose qui est invoqué et qui est en train de se mettre en place. Ce pouvoir pourrait être basé sur des mensonges, sur de l'hypocrisie, sur des mirages, sur des choses qui ne reflètent absolument pas la vérité. La carte de la fleur pourrait nous parler ici de des sentiments, tout ce qui pourrait être le fait de jouer avec nos sentiments, de nous prendre par les émotions, de nous prendre par les sentiments, afin de nous guider exactement là où on doit être pour que le rituel puisse s'accomplir complètement. Un peu comme une chèvre qu'on attacherait à un piquet. Ah bah regardez, en plus on a la carte de la poupée. Donc ici on nous parle de travail, un travail occulte qui pourrait être réalisé. On a le chasseur, donc on a vraiment quelqu'un. Sur ce mois de janvier, on a la présence de quelqu'un particulièrement manipulateur,
J'allais dire menteur, mais vous voyez, ça a voulu sortir tout seul. Donc, on pourrait avoir quelqu'un de menteur, de fourbe, d'hypocrite, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui manipule les énergies, des énergies qui sont particulièrement sombres, des énergies très noires. Et c'est une personne qui considère les autres comme ses proies. Un peu comme ben, un chasseur, hein, puisque cette carte représente le chasseur, justement. Donc, ça pourrait nous parler ici de quelqu'un qui cherche à nous traquer, quelqu'un qui cherche à nous chasser. Le chat noir pourrait nous parler ici de chance, mais aussi de malchance, hein, si on fait appel aux traditions classiques, à savoir que le chat noir représente la malchance, la superstition. Donc, ça pourrait nous parler aussi d'une trahison venant d'un familier, de quelqu'un qui appartient à nos membres proches, à notre famille, à nos amis proches, ça pourrait nous parler ici d'une forme de trahison. Alors, soit on parle d'une prédiction mondiale et là vous y mettez toutes les têtes et les noms que vous voulez par rapport à ce menteur manipulateur, soit si on revient à une échelle un petit peu plus petite, à savoir nos vies à chacun. Ça pourrait nous parler ici d'une trahison venant d'un membre de votre famille ou de votre cercle proche. Donc faites attention, il y a quelqu'un qui pratique. Peut-être, ça peut être des arts occultes, hein, mais c'est quelqu'un qui fait un travail occulte en tout cas, et qui cherche à vous manipuler, qui cherche également à vous faire du mal. On a l'œil avec le poison, ça c'est intéressant, parce que ça pourrait nous parler ici de révélation par rapport à quelque chose qui est toxique. Ok, des révélations qui vont chercher à nous protéger. Alors soit, là encore, bah, je sais que vu le climat actuel, vous allez tous penser à la même chose que moi, mais je ne peux pas citer, vous savez quoi. Donc je vous laisse faire votre petit film dans votre tête. Mais ici, on pourrait nous parler d'une forme de révélation par rapport à un poison. C'est assez éloquent, hein, la carte, j'ai envie de dire. Et ces révélations vont avoir pour but, eh bien, de nous protéger de certaines formes. Ou alors ces révélations vont nous protéger du mensonge en question, puisque n'oubliez pas que la carte ici est la première et que par conséquent tout ce que je suis en train de vous dire peut être le reflet de la réalité, comme ça peut être des choses qui sont complètement altérées, comme si on cherchait justement à nous créer une sorte de vérité, de réalité alternée pour nous faire croire à quelque chose alors qu'en fait ce n'est pas le reflet de la réalité. Et justement, notre œil, on veut attirer notre attention, on veut à tout prix oui, attirer notre attention sur quelque chose, mais qui ne serait pas la réalité. Et peut-être qu'il s'agit ici d'une prise de conscience qu'il va falloir réaliser sur soi. Ça peut être quelque chose, un travail individuel, mais il y a une prise de conscience à réaliser pour, eh bien, voir la réalité en face. On a la carte de la foudre, la carte du contrat et la carte du serpent. Donc on a encore cette idée de séducteur, quelqu'un qui cherche, je sais pas pourquoi, j'ai une sorte d'idée de quelqu'un qui va chercher à vous séduire, à vous tendre une sorte de piège. Faites attention si vous êtes amené ce mois à signer des papiers, signer des contrats, des choses comme ça. Ne vous engagez pas si votre intuition vous dit que cette personne est louche ou qu'elle cache quelque chose ou alors qu'elle parle trop bien pour être honnête, qu'il y a un aspect de séduction, qu'on cherche à tout prix à vous détourner ou à vous amener vers quelque chose, à vous vendre un produit ou n'importe quoi d'autre. Soyez vigilants parce qu'ici, il y a vraiment pour moi une sensation de piège. Quelqu'un qui cherche à obtenir quelque chose de vous, qui cherche à vous avoir sous contrat en fait, hein. Ensuite, on a le pendule, la colombe et la barque. Donc ici, on nous parle de voyage, de choses qui vont... Ça, je sais pas pourquoi je le ressens plus pour la fin janvier. Pour ce mois de janvier, je ressens davantage ici une forme de manipulation, de mensonge, des choses qu'il va falloir prendre conscience. Il y a des vérités qui vont se faire, certaines vérités qui vont se révéler. Je vous l'ai dit, il y a, alors, comme je vous l'ai expliqué, ça peut être d'ordre mondial, comme ça peut être plus privé dans votre vie, mais il y a quelqu'un qui agit contre vous. Il y a une forme ici, soit de magie, de pratique magique. Il y a quelqu'un qui fait un travail occulte sur vous. Cette personne-là, pour moi, elle va tomber. Soit elle va révéler son vrai visage, soit elle va se trahir, soit c'est quelqu'un qui va la trahir et qui va la balancer. Mais il y a une forme de vérité qui va éclater ici, comme si les masques allaient tomber, comme si le chasseur allait devenir la proie. Lorsque ces choses doivent se faire impérativement, vous ne pourrez absolument pas les maîtriser, vous ne pourrez rien faire hormis les vivre, et ce sont des étapes par lesquelles vous devez impérativement passer. Et une fois que ces étapes par lesquelles on sera passé se seront déroulées, ici il y a une forme de nouveau départ qui va se faire, une nouvelle direction. Vous voyez, en plus on a la colombe ici qui part, hein, qui part de ce côté, qui part au niveau du tableau.
On a le pendule qui pointe d'un côté, on a la barque aussi qui pointe du même côté. Mais pour moi ici, ça me parle d'une forme de direction, de prendre une direction. Comme si la pensée collective, comme si on vous obligeait à prendre cette direction, mais vous, vous devez conserver une forme de liberté pour aller dans votre direction, pour faire votre parcours, pour aller sur votre chemin, sur votre voie. Ne vous laissez pas influencer par telle ou telle partie. Ça peut être, là encore, dans une ampleur, j'ai envie de dire, mondiale ou nationale, hein, vu tout ce qui se passe dans notre pays, surtout depuis quelques jours. Donc ça peut être ça, ne vous laissez pas influencer par une pensée collective ou par des idées qu'on voudrait vous implanter dans l'esprit, mais ça peut être l'échelle de votre vie, ne vous laissez pas influencer par certaines personnes qui vont vouloir à tout prix vous attirer vers quelque chose qui ne vous conviendra pas, qui ne sera pas votre chemin véritable, et conservez au contraire votre liberté. En plus, on a quand même plusieurs personnages qui sont présents ici. Donc on a un aspect social. Vous allez être amené sur le milieu du mois. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pensé au milieu du mois. Vous allez être amené à rencontrer plusieurs personnes. Alors, il y aura une personne qui sera bienveillante. Par contre, il y en a deux autres dont il va falloir se méfier. Il y en a une qui est foncièrement négative puisqu'elle fait un travail sur vous. Et il y en a une autre. Il y en a une autre qu'il va falloir analyser. Comme s'il fallait garder un œil sur elle, c'est-à-dire quelqu'un qu'il va falloir surveiller. Il y a une surveillance à faire, ou alors c'est quelqu'un aussi qui vous surveille, hein, puisque regardez, l'œil regarde en direction de la poupée, donc ça peut être une forme de mauvais œil, surtout qu'on a le poison juste à côté, donc ça pourrait être le mauvais œil. Ça peut être quelqu'un qui vous a à l'œil, justement, qui vous épie, qui vous espionne, quelqu'un qui épie vos moindres faits et gestes. Pour soi, attendre le bon moment pour vous frapper, tel le lâche qu'il est, soit un moment propice pour vous vendre son truc, hein, si par exemple, je sais pas, vous êtes dans une certaine faiblesse, quand on est faible ou quand on rencontre une certaine difficulté, on est plus enclin à faire des bêtises parce que comme on cherche des solutions à tout prix et qu'on peut être plus ou moins désespéré, eh bien, ça peut nous conduire à faire des erreurs et à se dire que à l'instant T, c'était une solution, mais en fin de compte, ça s'est révélé être une erreur. Et bien là, c'est le même principe. Si jamais vous rencontrez une situation dans laquelle vous êtes désespéré et qu'on vous propose quelque chose qui semble être la solution, attention, ça ne sera pas forcément la solution et ça ne sera pas non plus la réalité. Donc ne vous faites pas avoir par quelque chose qui semble être trop beau pour être vrai, parce que justement, ça va cacher quelque chose. Que ce soit la solution qu'on vous propose ou la personne qui vous propose la solution, faites attention, faites très attention. Alors, je suis désolé, on n'est pas forcément sur quelque chose de très positif, j'en conviens, mais vous le savez, sur la chaîne, je vous ai jamais caché les choses, je vous ai jamais ménagé, j'ai jamais parlé en langue de bois, au contraire. Donc, si les choses négatives doivent sortir, c'est qu'il y a une forme d'avertissement là-dedans. Et tirez-en parti. Tirez-en parti parce que si on vous avertit, c'est que vous avez la capacité de pouvoir justement réagir et de ne pas tomber dans le piège. Alors, la carte maîtresse. Ok, donc là, on a une régression, on a une diminution. On a une séparation. Ah, on a une séparation, on a une gestation, on a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Comme s'il fallait se débarrasser d'abord de quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous tire vers le bas. Et il faut impérativement que vous vous en débarrassiez. Il y a quelque chose, soit une situation ou une personne qui vous tire vers le bas. Et il faut que vous vous en débarrassiez si vous voulez partir sur quelque chose de nouveau et de propre. Ok, donc en plus vous avez des interrogations et des doutes par rapport à cette situation ou à cette personne. Nous avons la carte du monde, donc c'est quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, soit c'est quelqu'un, soit c'est une situation, mais c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est quelque chose qui vous empêche d'évoluer, et il va falloir impérativement vous en séparer si vous voulez pouvoir de nouveau progresser. On a la carte du passé, donc ça pourrait être pourquoi pas un ex ou quelqu'un qui appartient à votre passé. On a l'esprit, donc c'est quelqu'un pour qui vous faites beaucoup de soucis, c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup réfléchir. Regardez, on a de nouveau la présence de l'œil. Donc ici, il y a vraiment une forme de vérité. Il va falloir tirer la vérité. Ouvrir les yeux tout simplement, ouvrir les yeux sur la vérité, sur cette personne ou sur cette situation qui vous tire vers le bas, qui vous fait régresser. Et il va falloir vous en débarrasser, il va falloir vous séparer de ça et faire une sorte. Alors, ça n'a pas parlé à tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans le langage informatique.
Mais vous savez, parfois, avant que votre ordinateur plante, on fait souvent des sauvegardes de système. Comme ça, si jamais l'ordinateur plante, eh bien, on peut toujours recharger la dernière sauvegarde du système. Même si on perd 2-3 fichiers entre-temps, c'est pas grave. L'essentiel est de revenir à la dernière sauvegarde. Eh bien là, ça me fait la même image, c'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes trompé de route à un moment donné, ou vous avez pris une mauvaise direction, ou vous vous êtes engagé avec quelqu'un qui ne vous convenait pas, qui ne vous allait pas, ou une situation qui ne vous convient pas. Eh bien, il va falloir effacer ça. Il va falloir revenir en arrière à votre dernière sauvegarde, justement. C'est-à-dire au moment même où vous preniez la décision, au moment où vous vous engagiez sur cette voie, il va falloir revenir sur cette dernière sauvegarde. Ça peut être aussi quelqu'un qui est lié au passé. On a la carte du non. Donc ici, on a la réponse non. Si vous aviez besoin d'une réponse, si vous posiez la question. Ça peut aussi être un non qui indique ici quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui vous dit non, mais ça peut être quelqu'un qui vous dit oui, mais le oui n'est pas forcément quelque chose de positif en soi. Parce que à toujours dire oui, ça peut être aussi une forme qui vous empêche d'avancer. Je prends un exemple très concret, par exemple un enfant. Si vous lui dites tout le temps oui, comment voulez-vous qu'il puisse apprendre? Comment est-ce qu'il peut établir certaines limites? Comment est-ce qu'il peut, il va toujours aller plus loin, toujours. Jour, hein. Eh bien, le oui, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas quelque chose tout le temps de positif. Le côté permissif, hein, peut être aussi régressif. Donc ici, ça peut être un non à interpréter dans le sens, c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer véritablement. Ça pourrait être lié à une femme. Vous avez des doutes par rapport à une femme. Ou alors, ça peut être une femme aussi qui va se révéler. Peut-être que la problématique, l'origine de la problématique peut être liée à une femme, peut-être. Ça peut être, pourquoi pas, une femme qui pourrait vous apporter la solution, même si, très honnêtement, je n'y crois pas, parce que cette femme, elle est juste derrière le passé, elle est à côté du doute, elle est sur l'œil, donc c'est vraiment une femme qui appartient à votre passé, qui pourrait appartenir à votre famille, qui pourrait être une ex-copine, qui pourrait être une ex-amie, ça peut être, je sais pas moi, une belle-mère, une sœur, une cousine, une connaissance, une collègue, n'importe qui, une voisine, vraiment. Mais ici, pour moi, il y a une femme. Une femme en plus qui est liée à une forme de tempête. Une femme qui est responsable de problématiques, qui est responsable soit de disputes, soit de conflits. C'est une femme. Je vais être cru, je vais vous livrer le mot tel qu'il vient, mais je vois vraiment une femme un peu de mauvaise vie, hein, vraiment la garce de base. C'est-à-dire celle qui manipule, celle qui tire les gens vers le bas, il peut y avoir un aspect vénal, un aspect de conflit, mais ici, il va vraiment falloir se débarrasser, couper cette situation, couper ce lien de façon définitive, si vous voulez continuer à avancer. On va se refaire un petit tableau. Parce que pour moi, j'ai la sensation que l'événement principal du mois de janvier, c'est ça, c'est se débarrasser des liens. Et ça colle plutôt bien puisque je vous en ai parlé avec la pleine lune qui arrive du 17-18 janvier en Cancer et qui nous parle justement d'une lune avec laquelle il ne faut pas travailler l'avenir mais les choses du passé, les liens du passé. Et je pense que le mois de janvier, c'est effectivement quelque chose qui est lié au passé et il va y avoir des ruptures qui vont se faire sur plein de domaines, sur plein de domaines au niveau du passé. Et j'ai la sensation qu'il faut impérativement faire table rase comme s'il fallait nettoyer en profondeur avant partir sur de nouveaux projets avant de commencer 2022, parce que 2022, j'ai la sensation que cette année peut être particulièrement fertile, qu'elle peut apporter des bonnes choses, mais si on ne se débarrasse pas des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer, telles des furoncles ou telles ma dent de sagesse qui est en train de pourrir dans ma gencive, si on ne se débarrasse pas de ces dents de sagesse qui pourrissent nos gencives, ça peut finir par gangréner tout notre corps, tout notre cœur, toute notre vie. Et j'ai vraiment ce sentiment-là que pour ce mois de janvier, vous allez devoir impérativement faire du ménage. Regardez, on a à nouveau le passé qui revient. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ici, on a la clé. Donc on nous parle de solutions qui vont arriver ou des solutions que vous allez trouver. On a de nouveau le serpent qui se présente à nous. Donc ça peut nous parler d'une forme de menace. À nouveau, un séducteur hein, qui prend l'apparence de quelqu'un ou de quelque chose pour nous séduire, pour nous faire succomber à un péché, quelque chose de mauvais, quelque chose qui serait interdit. Mais le serpent peut aussi avoir un aspect positif avec le fait de faire peau neuve, hein. Un serpent, il fait sa mue, il se transforme.
forme, et pour acquérir son nouveau corps, il doit se débarrasser de son ancienne peau. Donc vous-même, peut-être que la solution, enfin c'est même pas peut-être, c'est même sûr, si vous voulez trouver la solution pour vous défaire de votre passé, il faut impérativement faire peau neuve et vous débarrasser vous-même de ce qui vous gêne, de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer. Nous avons de nouveau la carte de l'esprit. C'est fou quand il y a des cartes qui veulent sortir. Ah, on a une bonne nouvelle quand même. On a une bonne nouvelle qui va arriver sur le mois de janvier. Ah, ça pourrait être quelque chose en lien avec une formation, avec un diplôme. C'est une récompense aussi, une récompense, ça peut être quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose pour laquelle vous avez travaillé, c'est quelque chose que vous méritez, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, hein. Vous vous êtes investi, vous avez donné du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, n'importe quoi, mais vous êtes investi et vous allez avoir ici la réussite et c'est une bonne nouvelle. En plus, on a la carte de la Ouija avec le oui ici, donc on a une réponse qui nous est offerte. On a la carte de l'amitié. Ah, regardez, regardez, je vous l'invente pas, hein, attendez, elle est à l'envers. Je vous l'invente pas, hein, on a la chaîne de la cassure et je vous parlais ici de faire peau neuve, de se débarrasser de ce qui nous entrave et faites exprès, la chaîne c'est quelque chose qui entrave, qui nous empêche d'avancer. Vous pourriez bénéficier d'un soutien ou d'une intervention de vos amis et c'est peut-être par eux que vous allez trouver une solution pour vous débarrasser justement de ce qui vous gêne, de ce qui vous empêche d'avancer. Hein, peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez plus à voir clair parce que vous êtes comme submergé par toutes ces pensées, par toutes ces choses, tout ce qui vous occupe l'esprit, et à force, ça noie complètement votre esprit, et par conséquent, vous n'arrivez plus à être objectif et à dégager quelque chose qui soit objectif. Donc par conséquent, ce sont vos amis ou vos proches, ceux qui vous connaissent, qui seront aptes à vous fournir une réponse, qui seront aptes à pouvoir vous aider, à vous offrir une solution, et c'est peut-être par eux, par ce biais-là, que vous allez pouvoir faire peau neuve. On a des nouvelles qui arrivent, donc peut-être que la bonne nouvelle va prendre la forme d'un courrier, d'une lettre, ça peut être un mail aussi. Ok, en plus cette bonne nouvelle va permettre, donc on est vraiment dans un processus ici de renouveau, de couper les liens, puisque ici c'est la carte comme l'étiquette des vêtements hein, avec le petit ciseau prêt à être découpé. Donc ici on a quelque chose qui est prêt à être fractionné, c'est prêt, hein. C'est-à-dire que là on n'est plus dans la phase où on remet les choses en question. Non, ça y est, on est arrivé aux limites. On est au bord du précipice, là, ça peut plus durer. Les choses sont devenues beaucoup trop fragiles pour que ça puisse continuer. C'est prêt à être coupé, c'est mûr. Donc la situation que vous vivez à l'heure actuelle, ou la relation peut-être toxique dans laquelle vous êtes, elle est mûre, elle est arrivée à maturité, elle est prête à en finir. Donc vous n'avez plus qu'à donner le dernier petit geste, à vous investir un tout petit peu pour pouvoir vous débarrasser complètement. Ou ça peut être aussi la bonne nouvelle qui va être, j'ai envie de dire, le coup de marteau définitif qui va enfoncer le clou et qui va permettre de pouvoir vous renouveler et qui va permettre de pouvoir bien vous faire sortir de tout ça et partir sur de nouvelles choses. Nous avons la carte de la lune, donc ici on nous parle de temps. Il y a une temporalité qui se présente. Alors soit ça... Ah bah je vous parle de temps, regardez, on a la spirale du temps qui se présente. Donc on a vraiment ici un lien d'une part avec la flèche et le passé. Là ça nous parle vraiment ici du passé. Il faut impérativement vous débarrasser du passé. Votre passé à l'heure actuelle représente une sorte de boulet que vous traînez. Il y a une situation qui dure en longueur, ou ça peut être une relation, ou il y a vraiment quelque chose ici dont il faut vous débarrasser impérativement si vous voulez pouvoir continuer à avancer. Il y a des choses positives qui sont pour vous, que vous pouvez avoir, mais tant que vous êtes pris dans cet engrenage, dans ce cercle vicieux de toujours vous remettre dans la même situation ou rencontrer le même type de personne pour vivre le même type de relation ou prendre le même genre de décision qui vous entraîne automatiquement et fatalement dans des situations analogues passées, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à un futur prometteur. Il faut d'abord que vous preniez conscience de certaines choses. Il faut vous débarrasser impérativement du passé. Et peut-être que ça va être la bonne nouvelle aussi qui va être le facteur déclenchant, hein. Peut-être qu'il y a une réponse particulière que vous attendez et le fait qu'elle arrive, ça va vous permettre eh bien, de vous donner le petit coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin. Ça peut être la petite force, hein, la petite énergie qui va vous dire ouais, ça m'encourage, ça me fait du bien, et ben du coup, ça m'a reboosté, je suis de nouveau motivé et je vais pouvoir me débarrasser de certaines choses. Peut-être, mais en tout cas, ici, on parle vraiment d'une bonne nouvelle qui arrive. Allez, maintenant, je vous propose de faire une petite partie guidance. On a quand même des éléments qui sont assez intéressants sur le mois de janvier.
Alors, par rapport à tous ces événements, on va se prendre quelques photos karmiques. Utilise tes ressources pour sortir de cette situation. Vous voyez, je viens de vous le dire, il est possible que les solutions soient déjà en vous et il vous suffit tout simplement de puiser à l'intérieur de vous et de peut-être d'ouvrir les yeux également. Hein. Vous n'êtes pas totalement dans le noir, même si c'est ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit, hein, vous êtes peut-être dans une situation qui fait que vous n'arrivez pas à vous projeter ou plus. Vous avez peut-être votre esprit qui est complètement submergé par tout un tas de choses. Mais il existe toujours une petite lueur qui brûle à l'intérieur de vous et il faut vous concentrer sur cet espoir-là. Laissez votre intuition parler, laissez-vous peut-être porter aussi. N'oubliez pas que le noir n'est pas foncièrement quelque chose de négatif. Le noir nous permet de réfléchir, de faire une introspection sur nous. Puisqu'en effet, lorsque nous sommes plongés dans une pièce complètement noire, alors il y a d'abord le sentiment de panique et de peur qui s'installe. Mais rapidement, après, ça va nous inviter à réfléchir autrement, à être vigilant, à être prudent. Surtout si on se met à marcher dans le noir. Forcément, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc on va marcher à tâtons, lentement, doucement, mais sûrement. Et justement, on va réfléchir à des solutions. On va s'adapter aussi pour que notre corps et nos sens puissent se faire à cette situation. C'est davantage plus gratifiant d'évoluer dans des situations compliqué que dans des situations où rien ne se passe, puisque forcément quand tout se passe bien, bah on ne se fait pas de soucis pour quoi que ce soit et on ne progresse pas, on n'évolue pas, au contraire, on a plutôt tendance à stagner. Donc puisez dans vos ressources car la solution est déjà en vous, il y a peut-être déjà quelque chose que vous pouvez mettre en place tout de suite. Le calme et le silence sont tes meilleures solutions. Donc ici, on vous invite à prendre du recul peut-être, du recul sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, ou peut-être à vous taire aussi. Il est important parfois, il y a des moments dans la vie où il faut savoir s'exprimer, et il y a des moments où il faut au contraire réfléchir, et réfléchir dans le calme et dans le silence. Et le meilleur moment dans nos vies, lorsqu'on a besoin de calme et de silence, c'est justement quand on a besoin de faire une introspection sur nous, ou quand on vit des choses compliquées. Parfois, on n'a pas besoin que Pierre, Paul ou Jacques nous donnent leur avis, parce que d'une part, on ne leur demande pas. Lorsqu'on ne demande rien à personne, c'est, alors je ne sais pas pour vous, mais c'est valable en tout cas pour moi, lorsque je ne demande rien à personne, je n'apprécie pas qu'on émette un avis ou qu'on me propose quoi que ce soit alors que je n'ai rien demandé. J'apprécie que chaque personne se mêle de sa vie, se mêle de ce qui le regarde. En revanche, lorsque je suis dans le besoin et que j'exprime ce besoin sous forme d'une demande, là, d'accord, j'apprécie qu'on me conseille, qu'on me réponde. Et dans la vie, c'est pour vous donner une illustration que si vous vivez ça à l'heure actuelle, vous n'avez pas besoin du conseil de Pierre et Paul. Il est possible que vous-même soyez le meilleur conseiller pour votre situation, pour votre vie. Mais pour cela, vous devez impérativement vivre une forme de repos, d'isolement. Alors je sais que c'est un petit peu le mot à la mode, hein, le confinement, mais peut-être qu'il est temps de vous confiner l'esprit. L'esprit, le cœur, la pensée, etc., pour faire un véritable travail de profondeur sur vous, un véritable travail d'introspection et profiter du calme. Hein. Pensez un petit peu, la carte, là ici, on voit un ciel avec des flocons de neige. Je trouve que c'est le meilleur moment dans l'année lorsque la neige tombe, car on a un silence qui est royal. On n'entend strictement rien, absolument rien. C'est le calme. Et bien justement, il est temps dans votre vie que vous plongiez dans ce type de calme-là. C'est-à-dire que vous soyez isolé, sans personne autour de vous, sans personne qui va donner son avis, surtout s'il ne l'a pas été demandé, et que vous soyez le seul à réfléchir. Et nous avons laisse-toi porter par les courants de la vie. Et ça aussi, eh bien, j'ai envie de dire que les trois cartes sont logiques l'une avec l'autre. En plus, on a des éléments qui sont intéressants, puisqu'on a deux éléments de l'eau, donc des choses qui sont rattachées aux émotions, aux sentiments, et on a un élément qui est rattaché au feu, donc à la passion. Vos émotions ont besoin à nouveau d'être alimentées comme si vous étiez une pile complètement vide et vous avez besoin de recharger vos batteries. Le seul problème, c'est que parfois on ne sait pas comment faire. Et le meilleur moyen, de
de recharger ses batteries, c'est justement en acceptant de ne plus se battre contre des moulins à vent, puisqu'on dépense de l'énergie pour rien. Donc cessez de vous battre contre des choses que vous ne pouvez pas contrôler, acceptez les choses telles qu'elles sont, et laissez-vous porter par les courants de la vie, vous verrez où est-ce qu'ils vont vous mener. Surtout que vous gaspillerez beaucoup moins d'énergie et vous serez beaucoup moins fatigué, puisque si vous laissez porter par des flots, et si vous faites l'étoile de mer à la surface de l'eau, bah, vous n'allez pas vous fatiguer et il y a de fortes chances pour que vous fassiez des centaines et des centaines de kilomètres ainsi. Alors que si vous vous battez, vous n'allez pas aller loin. Hein. Si vous essayez de combattre les courants, les flots, les tourbillons, vous risquez plus de couler hein, jusqu'au fond plutôt que d'aller bien loin. Donc laissez-vous tout simplement porter et cessez de combattre, hein, de combattre. Oui, on va faire comme Don Quichotte, hein, combattre les moulins à vent. Allez, on va prendre quelques sigils. Alors, on a la maison et la famille. Il se peut que votre maison, que votre famille soit votre meilleur environnement. Effectivement, c'est un environnement dans lequel vous retrouvez le calme. Alors, quand je dis famille, c'est votre foyer en règle générale. Hein, tout le monde n'a pas une famille. Donc, on va parler de façon métaphorique, d'accord? Votre foyer, c'est votre cocon, c'est votre bulle. C'est là où personne ne peut venir vous embêter, où il n'y a personne pour vous parler de ceci, de cela, où il n'y a pas Martine de la Conta qui est en train de vous prendre la tête pour machin, il n'y a pas je sais pas qui, enfin vous voyez, voilà, vous n'êtes embêté par personne, c'est vraiment votre bulle d'intimité, c'est le moment où vous pouvez vous retrouver avec vous-même et il faut impérativement aussi que vous reveniez dans votre maison. C'est important ça aussi, c'est que il faut pas confondre comme ce qu'on a vécu là ces 2 dernières années où on a été obligatoirement enfermé chez nous et par conséquent nos maisons on n'en profitait pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que lorsque c'est comme un enfant, hein, un enfant si vous lui dites si vous lui interdisez de faire quelque chose, il y a de fortes chances pour qu'il le fasse. Eh bien, les adultes sont exactement pareils. C'est-à-dire que si on nous force à quelque chose, on n'aura qu'une envie, c'est de faire l'inverse. Donc, tout ce qu'on a vécu pendant 2 ans, hein, tous les confinements, quand on nous enferme chez nous, on n'avait qu'une envie, c'était de sortir. En revanche, quand on en a marre de sortir, eh bien, qu'est-ce qu'on fait spontanément? On revient chez nous pour être tranquille. Eh bien, là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il va falloir réapprendre à vous réapproprier votre intérieur, vous réapproprier votre foyer, reprendre des habitudes, vous retrouver avec vous-même. J'ai ici le sentiment très fort qu'il y a un gros travail d'introspection à faire, à vous retrouver. J'ai le sentiment que vous vous êtes perdu à un moment donné, que vous ne savez plus ni où vous en êtes, ni qui vous êtes, ni ce que vous voulez. Et il faut faire un bilan maintenant. Il faut vraiment prendre le temps de se stopper, de se stabiliser et de faire un vrai bilan qui soit objectif. Objectif et qui va vous permettre eh bien, de sortir ce dont vous avez besoin pour reprendre votre voyage. Donc cessez de courir, arrêtez d'aller partout parce que vous irez nulle part. Vous serez partout et nulle part à la fois. Donc maintenant, stop, vous posez, vous retrouvez dans votre famille, dans votre foyer, dans votre cocon et vous faites le point sur vous. Nous avons le temps et la patience. Alors décidément, le temps, c'est une notion qui est très forte pour le mois de janvier. Hein. Donc le temps va être votre meilleur allié. Laissez-vous du temps. C'est-à-dire que si vous faites un blocage, imaginons vous êtes écrivain. Si vous êtes écrivain, vous connaissez tous la problématique de la page blanche. Hein, ce syndrome, on n'a pas d'inspiration, on n'est pas motivé, on ne sait pas quoi faire. Je le vis un petit peu, je vais être honnête avec vous, là, depuis début janvier, je le vis un petit peu. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal maintenant à créer des vidéos. J'ai du mal à m'y mettre, je sens une baisse de motivation. J'ai envie de dire, c'est logique, hein. Tout le mois de décembre, j'ai travaillé très dur. Je vous ai fait plein de vidéos tous les jours, même plusieurs vidéos. Ça m'a franchement épuisé et j'ai le cerveau qui arrive un petit peu en compote. Et bien, peut-être que vous-même, vous êtes dans cet état de compote aussi. Vous subissez peut-être ce syndrome de la page blanche à vous dire, j'arrive plus, mais il faut que je le fasse, faut que je trouve, faut que je trouve. Non, plus vous allez vous forcer, moins vous allez y arriver et plus vous mettez de la pression et plus ça va vous rajouter des problématiques qui ne vont pas vous aider à vous sortir de tout ça. Donc non, faites preuve de patience, soyez clément avec vous-même. Si ça dure 1 semaine, tant mieux. Si ça dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, c'est pas grave. Prenez le temps dont vous avez besoin. Ne vous mettez pas de pression à vous dire il faut que. Non, il faut rien du tout. Il faut surtout que vous pensiez à vous, que vous preniez du temps pour vous, que vous laissiez les choses faire tout simplement à votre place. Hein. Laissez-vous porter par les courants de la vie. C'est la vie qui va décider pour vous. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, vous savez plus où aller.
allez, eh ben, ne vous débattez pas. Ne vous débattez pas et laissez tout simplement le cours de la vie faire les choses. Vous verrez où est-ce que ça va vous emmener, sur quels nouveaux horizons, sur quelles nouvelles berges. Hein. Laissez-vous tout simplement porter par la vie et vous verrez où est-ce que ça vous emmène. Et enfin, nous avons le choix et l'acceptation. Décidément, on a des énergies qui se complètent vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'il y a la phase de réflexion, ici avec le foyer, qui nous dit « Ok, maintenant je me pose et j'analyse mon problème. Aujourd'hui, je me sens comme ceci, comme cela, je sais plus où j'en suis dans ma vie, etc. etc. » Et vous faites un petit travail d'introspection. Vous laissez le temps faire les choses et surtout, acceptez. Acceptez d'être faible, acceptez vos faiblesses, acceptez que vous êtes un être humain avec des failles, acceptez que vous êtes à bout, acceptez que vous êtes fatigué, acceptez que vous en ayez marre, acceptez-le tout ça, hein, et faites ce choix par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se voilent la face en se disant « Non, moi j'ai pas de faiblesse, moi je suis toujours au top, je suis toujours fort, je suis toujours ci, je suis toujours ça » et qui se trouvent tout un tas d'excuses. Non, non, l'être humain, il n'est pas conçu pour être fort H24, c'est faux et archi faux, et celui qui vous dit le contraire, c'est un gros menteur. Donc acceptez d'être faible, acceptez vos faiblesses, acceptez que vous ne puissiez ne plus en pouvoir, que vous avez besoin de cette pause. Ça peut être une pause dans votre couple, une pause dans votre vie, un congé sabbatique, n'importe quoi, mais quelque chose qui évite le burn-out, parce que j'ai le sentiment peut-être que le burn-out n'est pas forcément très très loin. Hein, à force de tirer sur la ficelle, il y a un moment donné où elle finit par casser. Donc il faut impérativement faire cette pause. Coupez-vous de ce qui vous stresse, coupez-vous de ce qui vous angoisse, coupez-vous de ce qui vous bouffe de l'énergie, coupez-vous des vampires psychiques, coupez-vous de tout un tas de choses pour vous retrouver avec vous-même. Laissez le temps au temps de vous remplir de nouveau. Hein. Une pile, par exemple, lorsque vous la mettez à charger, elle se recharge pas en 30 secondes. Il faut un petit peu de temps quand même pour que la pile se recharge. Hein. Quand vous mettez votre téléphone, n'importe quoi, tout ce qui a une batterie, eh ben, ça se recharge pas en 2 minutes. Il faut du temps, même les batteries à chargement rapide, il faut quand même du temps pour que ça puisse se faire. Et bien vous, c'est pareil. Si vous êtes complètement vidé, il va falloir du temps pour que vous puissiez vous remplir de nouveau. Donc acceptez ce temps, laissez faire les choses et vous verrez que naturellement, après, les choses reprendront leur cours. Allez, maintenant, on va se faire un petit bilan sentimental et émotionnel, à la fois divinatoire, hein, puisque l'oracle cœur à cœur, il a un aspect divinatoire. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mes oracles pour la première fois, ils sont tous disponibles sur ma boutique MPC, qui est en lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller visiter la boutique pour retrouver tous les jeux qui sont là sur le bureau. Allez, une petite guidance sentimentale pour ce mois de janvier. Nous avons un amour charnel qui se présentera à vous. Nous avons une femme de couleur. Nous avons une passion ravivée. Bah, ça colle bien avec la bougie, hein, je vous l'avais dit, puisqu'on parlait de passion ici. On a la réconciliation avec une femme blonde. J'ai envie de compléter ça. Donc pour ce mois, vous allez vous réconcilier avec une femme blonde. C'est drôle parce que rappelez-vous, dans le carré fantabuleux, on avait la femme qui ressortait dans le passé. Et là, on a la réconciliation avec une femme blonde. Donc, c'est peut-être pas un hasard ici. Alors, nous avons une séparation amiable. Donc ici, je vois des petits plaisirs peut-être qui vont se faire. Pour des personnes qui sont célibataires ou pas, d'ailleurs, hein, c'est vos fesses, vous en faites bien ce que vous voulez. Mais ici, pour moi, l'amour charnel, ça me fait vraiment penser au fait de profiter, vraiment être carpe diem. Si vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir parce qu'en ce moment, vous pouvez pas, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir vous projeter, profitez de l'instant T, voilà, profitez du moment sans vous soucier de quoi que ce soit. Et puis, les choses peuvent se faire naturellement. Je vais vous prendre un exemple très concret. Si vous êtes célibataire, rien ne vous empêche d'être comme un papillon, hein, d'aller de fleur en fleur. Et puis, une nuit, plus une nuit, plus une nuit, eh ben, ça peut faire toute une vie. Hein. Donc, il faut jamais partir en tête en se disant « Moi, je veux impérativement trouver le grand amour et je ne ferai rien avec personne tant que je n'aurai pas trouvé le grand amour. » Parce que du coup, vous allez vous punir de potentielles rencontres qui pourraient aboutir sur autre chose. Hein. Quelqu'un qui vit de façon carpe diem, comme si chaque jour était le dernier, eh bien, lui va multiplier les chances et les opportunités de pouvoir vivre d'une part sa vie à fond et de pouvoir faire des bonnes rencontres qui vont pouvoir lui apporter des choses
des bonnes choses dans sa vie, hein. Donc ici pour moi il y a vraiment un aspect de profiter, hein, puisque l'amour charnel avec la séparation amiable, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord qui est passé entre deux personnes, c'est-à-dire que voilà, on passe la soirée ensemble, mais on sait que demain on n'est plus ensemble, chacun on reprend sa vie, il n'y a pas d'engagement, etc., etc. Ah, bah, voilà, bah, ça se passe très très bien, hein, et ça fait un type de bon souvenir. Donc ici pour moi il y a un aspect de plaisir, le fait de prendre du plaisir sur le mois de janvier, de ne pas se prendre la tête et vraiment d'avoir un esprit ici carpe diem. Nous avons une femme de couleur qui est liée à un mensonge important. Donc il y a ici une femme, vous voyez, on avait la carte de l'illusion, je parlais de mensonge, d'hypocrisie, je parlais de travail occulte, hein, n'oubliez pas la carte du chasseur qui est sortie. Donc peut-être ici qu'on a une femme de couleur qui travaille sur vous ou qui vous ment ou qui n'est pas complètement honnête avec vous, qui vous cache quelque chose. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Attention, les mensonges parfois peuvent dissimuler quelque chose de positif, c'est-à-dire que parfois on peut dissimuler une vérité, ça ne veut pas forcément dire qu'on est menteur pour autant ou qu'on cherche à blesser, mais au contraire ça peut être pour protéger une personne. Je prends un exemple très concret. Les secrets de famille, hein. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un secret de famille, et parfois certains secrets de famille peuvent faire extrêmement de mal s'ils sont révélés. Donc on va essayer de tisser une vie, on va essayer de tisser une trame qui sera la moins dramatique et la moins tragique que possible. Parce que si jamais la vérité éclatait, ce serait peut-être pire en fait. Toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Donc peut-être que ce mensonge, il est peut-être justifié, comme il peut être gratuit aussi, hein. On a une passion ravivée aussi avec avec une dame aux cheveux blancs. Donc ça pourrait être une personne âgée. Je vais en mettre une autre au cas où. Une nouvelle rencontre, ça pourrait être pourquoi pas une amitié, hein. On pense toujours à l'amour, il n'y a pas que l'amour dans la vie, il peut aussi y avoir l'amitié. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne, une femme d'un certain âge, ou d'un âge certain, comme vous voulez, et peut-être ça va être elle qui va vous raviver vos passions, hein, parce que la passion, c'est pas forcément la passion amoureuse, ça peut être votre passion, la petite flamme, n'oubliez pas la bougie que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Peut-être que c'est cette dame qui, par son expérience, par sa sagesse, ou par les choses qu'elle connaît, eh bien, va vous remettre le pied à l'étrier, va vous remotiver, va vous aider un petit peu à retrouver cette passion qui vous animait, hein. Ça pourrait être ici une amitié. En tout cas, pour moi, ça me ferait vraiment penser à quelqu'un qui est bienveillant, une femme qui serait bienveillante. Et on va recouvrir de nouveau. Nous avons la luxure. Ouais, donc vous voyez ici, on est vraiment sur le plaisir sans lendemain, sans prise de tête, l'aspect carpe diem, hein, le fait de profiter. Attention, l'aspect carpe diem peut aussi s'appliquer pour les couples. C'est pas parce que vous êtes en couple. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire cocu votre mari ou votre femme, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Non, je suis en train de vous dire que même quand on est en couple, pour raviver la flamme, parfois, eh ben, il faut un petit peu, j'ai envie de dire, traiter son partenaire comme si c'était un simple plan d'un soir, hein. Et ça peut apporter un peu de piment dans le couple, parce que bah voilà, on enlève un petit peu nos barrières, nos gênes, nos tabous, et puis on fait comme si voilà, on voulait juste s'amuser pour un soir. Et ça peut être pas mal pour raviver aussi la passion du couple, hein, parfois de jouer des petits rôles comme ça, de s'inventer des petits scénarios, ça peut être sympathique. Et puis l'aspect carpe diem quand on est en couple, c'est aussi le fait de profiter de sa moitié comme si je vous le dis, hein, comme si chaque jour était le dernier. Et croyez-moi que si vous vivez sincèrement cette philosophie-là, vous allez profiter beaucoup plus, vous vous disputerez beaucoup moins aussi, hein. Imaginez, alors je suis désolé, je vais complètement plomber l'ambiance, mais imaginez que vous sachiez précisément le jour et la date de votre mort. Qu'est-ce que vous feriez? Ben, il y a deux solutions. Soit vous restez au fond de votre lit à vous morfondre et à attendre le dernier jour, soit au contraire, vous allez vous dire, ok, je veux plus me prendre la tête, je veux plus me disputer, je veux plus ceci, je veux plus cela, je veux juste profiter. Et bien là, c'est ça être par carpe diem, c'est le fait de profiter. Et le fait de faire ça, croyez-moi que ça peut réduire beaucoup de maux, MAUX. Ici, nous avons le bonheur total. Donc il se peut, alors, par rapport à cette femme de couleur, soit cette femme de couleur, c'est elle qui est à l'origine du mensonge, c'est elle qui vous dissimule quelque chose, soit c'est cette femme qui va vous révéler quelque chose, qui va vous apprendre la vérité par rapport à un mensonge important, et grâce à la vérité que vous aurez obtenue, ça va faire un peu l'effet d'un... J'allais employer un mot interdit. ça va faire comme un remède qui va pouvoir enfin vous libérer de quelque chose et qui va vous apporter une forme de bonheur.
Et pour la réconciliation avec la femme blonde, nous avons une relation menacée. Donc ici on nous parle d'une tension, pour moi c'est ce que ça m'évoque, réconciliation, forcément s'il y a réconciliation, il y a eu dispute, il y a eu conflit, il y a eu cassure, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Donc ici on est sur une réconciliation qui va se faire sur le mois de janvier, mais quand même c'est une relation qui est fragile, donc on y va doucement. C'est un peu, vous savez, je vous le dis souvent, je pardonne mais j'oublie pas. Hein. Bah non, si on n'oublie pas, on pardonne pas, c'est un peu ridicule. Donc soit on est prêt à pardonner et on oublie tout, soit on ne peut pas oublier et on ne pardonne pas par conséquent, mais on peut pas lier les deux, c'est pas possible. Hein. Et là, on nous parle de réconciliation, certes, mais ça ne sera jamais comme avant. Il y aura forcément une relation, les choses seront fragiles, hein, elles auront été fragilisées. Allez, enfin, on va terminer avec des petites prédictions avec le rond de cristal. Alors, nous avons une personne malveillante. Bon, bah ça, j'ai envie de vous dire, hein, c'est sans surprise, puisqu'on vient de le voir avec les cartes du Joracle. On avait le chasseur, on avait l'œil, on avait la poupée, on avait beaucoup de choses. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire que la personne malveillante, on s'y attendait un petit peu. Nous avons une bonne nouvelle. Bah, ça tombe bien aussi, je vous l'ai annoncé avec le carré fantabuleux. Donc, vous voyez, on nous confirme bien que pour ce mois de janvier, il y aura une bonne nouvelle qui va arriver. On a une réponse positive également qui va se faire. Donc, si vous aviez une question en tête, la réponse est oui. Nous avons un retard également, donc il est possible que une situation ou une réponse, alors peut-être que c'est la réponse oui, hein, avant que la réponse arrive, peut-être qu'il va y avoir un retard, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite, hein, mais ne vous inquiétez pas, un retard ne veut pas dire que c'est non, un retard comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est retardé, mais ça finira par arriver, ok? Et nous avons une perte d'argent, donc ça pourrait nous parler ici d'une dépense, d'une facture, d'un imprévu peut-être, ou ça peut être aussi une perte d'argent idiot. C'est-à-dire, si vous allez faire vos courses, pensez à bien récupérer votre portefeuille. Faites attention aux billets quand on vous rend la monnaie. Faites attention de ne pas perdre des billets. Hein. Une perte d'argent, parfois, elle peut être maladroite. Hein. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies du mois de janvier 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, commenter, partager, etc. etc. Le racolage de YouTube, hein, vous connaissez. Sur ce, moi, je vous embrasse et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.